Écoutez, il faut que je m'exprime un peu sur la question parce que j'ai pris note des remarques qui fusent et diffusent par-ci et là. Beaucoup de résistants me reprochent d'avoir tiré sur leur président élu. D'autres maintenant me reprochent de m'acharner sur Chambrier. Et les gens pensent que j'ai un problème personnel avec quelqu'un. D'autres encore disaient à l'époque qu'on m'avait payé. Bon, maintenant, au niveau du paiement, moi, c'est clair que les gens savent que personne m'a acheté. Mais au niveau des problèmes personnels, on m'accuse que je ne les aime pas, machin, machin. Non, nous ne sommes pas dans un business d'affinité. On est ici tous ensemble parce que on a un problème en commun. Nous sommes tous inquiets pour notre pays. Chambrier et Ping font ce qu'ils font. Ils sont libres de vouloir être les leaders de l'opposition. Mais pour ma part, j'estime qu'ils ne sont pas capables d'amener les Gabonais dans la terre promise. Le Gabon, c'est comme dans la légende du roi Arthur, Excalibur. Il y a une épée qui est forgée dans le rocher et seul l'élu ou les élus peuvent la débloquer pour aller en guerre. Les gens sont venus, essaient de prendre l'épée qui est enfoncée au fin fond du rocher. En 2009, à Moïse, il n'a pas pu. Ensuite, du même camp politique, Ping sort, il vient, il essaye, il n'a pas pu. Maintenant, Chambrier veut aussi venir essayer et on sait qu'il ne pourra pas. On est fatigué de perdre du temps. Ils doivent se mettre de côté et laisser l'élu du peuple ou les élus du peuple venir enlever l'épée du rocher pour amener le peuple à la libération. Si vraiment ils aiment le Gabon, hein, ils doivent comprendre que ce n'est pas un problème personnel. Ils ne peuvent pas nous amener dans cette guerre. De par même leur propre composition politique, de par leur, par leur, comment on dit en français, par leur, comment on dit background en français, par leur, oh, shoot, par ce qu'ils sont, hein, au-delà même de leur aspiration, de leur, peu importe, par définition de ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous amener dans un combat où à la fin Ali Bongo va tomber. Ils peuvent pas. Ils n'ont pas les compétences pour ce combat-là. Ils n'ont pas été préparés pour ça. Dieu ne les a pas envoyés faire ça. Ping n'est pas Josué du Gabon. Vous comprenez? Amon n'était pas Moïse. Vous devez comprendre qu'ils ne peuvent pas. Même si eux-mêmes ils veulent, ils n'ont pas les capacités, hein, requises pour ce travail-là. Ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ont découvert la justice hier. Ils ont découvert la démocratie avant-hier. Vous comprenez? Ils sont rattachés au système, puisque vous tous, vous ne serez jamais rattachés au système. Ils sont déjà attachés. Ils ne peuvent pas libérer quelqu'un. Ils peuvent être sincères, mais la sincérité ne va pas les aider. Bob avait été sincère. Il voulait vraiment se repentir, aider les Gabonais, mais ça, mais son passé l'a rattrapé. Il n'a pas pu se mettre en faux avec ses frères francs-maçons. Et ils lui ont fait la fête. Tous les 400 coups qu'il avait fait. Je dis bien que tout le passé qu'il a fait l'a rattrapé. Parce que pour te mettre en face d'Ali Bongo, il faut être propre. Il faut avoir été préparé pour ça. Il faut des gens qui sont prêts à mourir pour ce genre de combat. Pas des gens qui disent qu'ils sont prêts à mourir. Après, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire des choses qui les dépassent. Aujourd'hui, Jean Ping souffre de lâcheté. Pas parce qu'il est lâche que non, bon, on se moque de lui. Mais il n'est pas prêt pour ça. Il ne connaît pas ça. Ce n'est pas un enfant de pauvre qui a souffert avec nos quartiers. Qui est, il ne connaît, il peut pas. Il peut pas s'élever à la dimension à laquelle nous on veut qu'il s'élève pour affronter Ali Bongo. Il a voulu se mentir qu'il pouvait. Aujourd'hui, même il s'assoit, il reconnaît qu'il ne peut pas. Assumer, il ne peut pas se tourner le dos à la France, tourner le dos à la franc-maçonnerie, tourner le dos à France-Afrique. Tout ça pour le peuple gabonais, il ne peut pas faire ça. Il a atteint ses limites. Et tous les pédégistes finissent toujours par atteindre leurs limites. Mbaobam, Ping et demain Chambrier. Donc il faut les encourager à arrêter. Ping est déjà à la retraite, que Chambrier arrête. Tu n'es pas capable de nous libérer du système Bongo. Arrête de nous perdre le temps. Moi je t'attaque parce que je sais que tu es en train de vouloir t'imposer comme le nouveau leader. Je n'ai pas le temps à perdre. On a déjà perdu 2 ans à s'embrouiller. À vouloir faire d'un diplomate un leader. On a échoué lamentablement. Malgré nos conseils, malgré nos prières,
Jean-Ping n'est pas devenu ce qu'on voulait qu'il devienne pour qu'on puisse libérer le Gabon. Et maintenant, lui et sa bande, ils sont dans les business que c'est le peuple qui a tort. C'est pas la peine. Éliminer. Laissez Arthur venir prendre son épée pour nous amener au combat. Arthur au Gabon là-bas, hein. Vous le mettez à côté, vous le rejetez, vous ne l'avez pas son temps. Mais il est parmi vous, celui ou celle qui est capable d'amener les Gabonais à la terre promise. Vous perdez le temps aux gens. Vous venez usurper la place de quelqu'un qui peut être le véritable leader de ce peuple pour libérer le Gabon d'Ali Bongo et de tout le système france-africain au Gabon. À cause de l'orgueil et de l'ego, vous mettez devant. Et même quand vous mettez devant, nous, en tant que patriotes, on vous aide. J'ai fait des vidéos, des centaines de vidéos pour conseiller Jinping. Que le président fait comme ça. Ça ne marche pas. Il n'est pas né pour ça. Donc on essaye de vouloir faire de quelqu'un quelque chose pour laquelle il n'est pas né. On veut forcer son destin. On échoue. On a échoué. Jinping, il est comme le roi Saül. Vous vous rappelez dans les écritures, le roi Saül. Le peuple se plaignait qu'il nous faut un leader, il nous faut un leader. Dieu a dit, bon merde, comme vous m'agacez, bon, je prends quelqu'un à votre image. Il est grand de taille, il est costaud, il est robuste, il est populaire chez les femmes. Voilà, il sera votre roi. Il a dit à Samuel, Samuel, va mettre l'onction sur sa tête. Samuel est parti là loin. Mais ça n'a pas tenu. Saül a commencé à déraper. Dieu l'a dit, dégage. Et là, quand Dieu a dit que bon, le moment est venu maintenant pour que le véritable roi d'Israël vienne régner en Israël, il a dit à Samuel que va chez Jessé et va, là-bas tu vas loin de mon petit. Samuel arrive, il voit des costauds, des gaillards, des pédégistes, des milliardaires. Il dit, c'est eux là, c'est eux non? Dieu dit, mais toi tu es terrible, hein? C'est pas eux. Toi tu regardes l'aspect extérieur, quelqu'un a les carnets d'adresse, il était au PDG, il a beaucoup d'argent, il est connu, il est mignon. Moi je regarde pas ça. Moi, je cherche quelqu'un qui est mon peuple et qui est vraiment l'enfant du peuple, qui est prêt à aller jusqu'au bout avec son peuple. Samuel a dit, ah bon, hein? Ok. Après, il demande à Jesse, mais Jesse, tous tes garçons là, ils sont où? Mais tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui manque? Il dit, oui, il y a quelqu'un qui manque. Il est où? David, oui, il est où? Oh non, lui, c'est un maigrelet, il n'a même pas fait l'école, c'est un rigolo. Il est là-bas au champ en train de se chercher. Il dit, mais amène-le ici! Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai bien dit que amène-moi tous tes enfants. On est parti prendre David, très maigre, couache au corps, avec les gales sur la tête, comme des trucs de Yavitch. Genre le visage du chômage, sans habit, très très misérable, mais avec la joie et l'amour véritable. Dieu a dit à Samuel que c'est lui l'élu. Mets-lui l'onction sur la tête et puis c'est bon. Mais ça n'a pas empêché que, quand Dieu a oint David, Saül qui était déjà déchu a voulu se maintenir. Des gens, vous-même, vous savez que vous êtes disqualifiés pour nous aider, nous, Gabonais, à renverser Ali Bongo, mais vous voulez rester avec nous, vous voulez rester opposant, vous imposez, nous perdre le temps. Et empêcher les vrais David de se lever pour libérer le pays. Par votre égoïsme, par votre égocentrisme, par le culte de votre personnalité, vous êtes en train d'étouffer un peuple qui a soif de liberté. Dans des imbécilités d'élection, que des stratégies bidons. Voilà. Et ils ont commencé à voir David, et à la fin, là, Saul a commencé à persécuter David. Les choses de jalousie, le mauvais cœur, le MC. Et ça a pris 20 ans pour que le choix de Dieu, son roi, qui devait faire des guerres pour libérer son peuple, vient au pouvoir. En train de courir comme un lapin, partout comme un fugitif, jusqu'au jour où finalement Saül est mort et que David a pris sa place. Le peuple a perdu du temps pour rien. 20 ans en train d'attendre la libération d'un peuple parce qu'il y a des leaders incompétents. Des leaders qui désobéissent à Dieu, qui s'en foutent des gens, qui savent qu'ils ne peuvent pas, mais qui insistent. Voilà le cas qu'on a au Gabon. Donc les Baham au Ping, c'est pas des Josué. Les gens sont fous, quoi. Ce sont des Saül, ce sont des Saul. Ce sont des gens qui veulent venir faire un travail pour lequel ils ne sont pas prêts. Pas prêts à aller en prison, pas prêts à subir les fous du pays, pas prêts à se faire violer pour le pays, pas prêts à perdre leur argent pour le pays. Ils ne sont prêts à rien perdre pour libérer ce pays. Rien du tout. Ils n'ont pas le courage d'affronter la croix. Ils n'ont pas le courage de mettre tout en question pour le peuple. Avec eux, c'est toujours les compromis. Il faut faire plaisir à la France, faire plaisir à eux-mêmes. Ils veulent jongler les gens. Ce ne sont pas nos Sanka, ce ne sont pas nos Bumba. Arrêtons de nous embrouiller avec eux. Oublions-les. Et qu'eux-mêmes aussi s'oublient eux-mêmes. Là où Ping a échoué, Chambrier, tu vas aussi échouer. Parce que tu es le même produit que Ping. Tu es l'enfant du PDG. Tu peux pas. Si tu étais vraiment quelqu'un de sérieux, à l'heure là, tu as déjà laissé ton tablier, ton équerre. Tu as déjà pris l'argent que ton père a volé, tu as rendu aux populations. Voilà les signes qui prouvent que quelqu'un est prêt pour le combat. Mais tu n'as rien fait de tout cela. Tu es en train de blaguer les gens. Tu es en train de corrompre les gens pour qu'ils te suivent. Tu donnes les gens les millions pour qu'ils viennent t'adouber aux élections législatives. Et tu vas acheter leur conscience pour devenir candidat en 2023 ou bien quand ils vont mourir. On te voit.
Tu fais les mêmes conneries que Ping, tu penses à payer. Après, tu vas venir blaguer les Gabonais, que non, cette fois, ce sera différent, la France, tout. Les mêmes idioties qu'on vit tout le temps au Gabon. Tu peux pas. Tes mains sont remplies de sang. Va t'asseoir à la maison. Tu veux venir jouer le opposant où? Si tu veux vraiment aider le peuple, tu peux aider ton peuple, mais en arrière-plan. Tu n'as pas à venir dans l'opposition, venir vouloir jouer leader. Va t'asseoir derrière. Va dans ta place. Ta place est derrière. Tu peux pas être devant. Et tous les tarés qui te mettent devant là, c'est vrai qu'on les a toujours eus. Même si quelqu'un est sincère, sa place n'est pas au fond. Sa place est derrière, en arrière-plan. Il fallait que Mbabam aille s'asseoir derrière et qu'il apprenne des anciens qui ont lutté, qui ont fait la prison pour le Gabon. Nos vrais opposants qui ont porté les stigmates de leur lutte. Les gens qu'on peut faire confiance. Quand ils nous disent qu'ils sont prêts jusqu'au bout, on sait qu'ils sont prêts jusqu'au bout. Pas des plaisantins, des blagueurs qui viennent usurper des phrases aussi importantes. Après, ils disent que non, mais j'ai pas dit ça. Oh, les Gabonais ont mal compris. Ils prennent tout avec légèreté comme si on était leur pute. Les Bajamping et consorts. Les phrases pompeuses. Des gens qui n'ont jamais fait la prison pour le Gabon, qui deviennent du jour au lendemain vos chefs, vos leaders. Parce qu'ils ont l'argent, ils s'imposent sur vos têtes. Des mauvais bergers. Des aventuriers. Des égocentristes. Ils n'aiment pas le Gabon. Ils auraient aimé le Gabon, ils se seraient assis derrière. Ils disent que, écoutez, on a l'argent, on n'a pas l'argent, mais c'est vous qui avez le cœur, c'est vous qui avez la vision, on va seulement vous aider en arrière-plan. Voilà comment des gens normaux qui aiment leur Gabon auraient compris que ma place n'est pas de venir jouer les barons dans l'opposition, ma place est de jouer les conseils et être en arrière-plan. Laissez les vrais Gabonais opposants faire l'opposition. Nous, on est trop sales pour venir vouloir jouer les sauveurs. On est trop menteurs, on a trop fait les 400 coups avec Ali Bongo pour prétendre qu'on va l'affronter sur un terrain. On va se faire bastonner comme des chiens. Voilà. Mais de leur frustration, ils viennent dans l'opposition jouer les boss. Et après, ça part en queue de poisson. En queue de poisson. On peut les aimer, parce que moi, Amo, j'aimais beaucoup Amo. On a déjà parlé au moins deux, trois fois. J'aimais bien le frangin, mais le frangin était incompétent. Il ne pouvait pas. Ce n'était pas de son ressort. Parce que un pays comme le Gabon, 50 ans de dictature, d'occultisme, de satanisme, c'est pas un jeu. Hein. Ce n'est vraiment pas un jeu. Un pays que la France vole tous les jours. Un pays de crimes rituels. C'est pas n'importe qui peut venir dire qu'il va prétendre que c'est... Quoi? Là, papa, il faut être transparent. Il faut être lumière, parce que là, c'est les vraies ténèbres. C'est pas un amusement, ça, c'est les vraies ténèbres. C'est le désordre à tous les niveaux. Malheureusement, les gens ne veulent jamais s'asseoir à leur place, ils veulent prendre la place d'autres personnes. Et voilà les conséquences. Depuis 9 ans, Ali Bongo au pouvoir, parce que les PDGistes veulent être les leaders dans l'opposition. Et regardez leurs décisions. Aller aux élections, c'est lui, Chambrier et sa bande. C'est eux qui font ces Gabonais aller aux élections. C'est lui qui a fait le lobbying, qui a fait les pressions sur tout le monde pour convaincre ses frères de l'opposition à aller aux élections. Lui que Fefe Onanga disait que Chambrier, on le manipule, alors que c'est Chambrier qui manipulait les gens. Onanga, j'attends ta vidéo, hein. Il faut venir parler aux Gabonais. Voilà. Un manipulateur, on le manipule. Mais c'est lui qui manipulait les gens. Lui, il voulait aller aux élections législatives. Il a ce qu'il voulait. Alléluia, maintenant. Il est content maintenant. Et 2023, ou bien 2020, il va dire, bon, on va mener aux élections présidentielles avec Ali Bongo. Il sera le candidat naturel, le leader. Parce qu'il a déjà mouillé la gorge à l'UN. L'UN en train de jouer les prostituées. Ping vous a abusé. Maintenant, c'est maintenant Chambrier qui vient de nous trouver papa. On dirait des femmes de joie. Vous êtes des femmes de joie là-bas, l'UN. Je vous demande. Vous êtes des femmes de joie. Hein? Vous êtes des prostituées. C'est combien le coût? Faut me dire, c'est combien le coût? C'est 2000? Deux colos? Vous n'avez même pas honte. Vous avez laissé les gens de votre parti pour donner à Ping le leadership. Voilà maintenant les conséquences. Maintenant, c'est maintenant Chambrier qui est le nom de la nouvelle coqueluche. Voilà. À coup de quelques milliards, c'est facile, vous achetez tous. Donc voilà, hein. Donc je n'ai aucun problème personnel avec Ping et Chambrier. Mais depuis longtemps, moi, je vous ai dit qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent vouloir, mais ils ne peuvent pas. Il y a dans la vie, il y a le vouloir, il y a le pouvoir. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les mêmes blanches pour venir combattre un combat blanc. Vous comprenez? C'est comme ça. Le passé va toujours les rattraper. Parce qu'ils ne sont pas prêts eux-mêmes à couper les ponts avec le passé. Ils vont aux élections avec Ali Bongo, toujours en tant que franc-maçon, toujours en tant que voleur du pays, toujours en tant que France-Africain, et ils disent qu'ils vont libérer un pays. Même alterner, là, ils peuvent même pas alterner. L'alternance viendra du PDG. Prenez Bic, écrivez. Mais même changer de bouille, là, ils peuvent pas faire ça. Parce qu'ils sont incohérents, inconsistants, confus, essayant d'être des héros, et se rappelant qu'ils sont des héros, qu'ils ont les mains en plus de sang. C'est dur pour eux, hein. C'est un exercice difficile. Le peuple crie là-bas, zaga, 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 tchè, ping, machin. Ça le motive à vouloir être un homme. Mais après son passé le rattrape. Donc, ils se trouvent au milieu bloqué.
départagé, en train de vouloir essayer d'être ce qu'il n'est pas. Et n'est pas prêt à aller jusqu'au bout de devenir ce qu'il devait devenir. Il est dans la confusion totale. Parce qu'à gauche, les gens te louent comme un dieu, mais à droite, on sait que tu ne peux pas faire le travail. Ça devient que tu deviens muet, tu tournes non, tu es moins dépressif. Pig est dans les dépressions. Il atteint ses limites. Il atteint ses foutues limites. Il n'a pas voulu faire la prison pour le Gabon. Il n'a pas voulu perdre le sang pour le Gabon. Il atteint ses limites. Il lui-même, il écoute ses vidéos. Même s'il nous dit que non, c'était pas ce que vous pensez, il sait lui-même qu'il est en train de mentir. Il sait qu'il ment. Il sait que c'est le mensonge. Il sait que j'ai été lâche. J'ai été un lâche. Je n'ai pas pu dire, faire ce que j'allais faire. J'ai agi comme l'apôtre Pierre. Quand le coq a chanté une fois, Cocorico! La phrase qu'il disait là, il a oublié ses propres phrases. Il dit, oh non, non, jamais j'ai dit ça. Ou bien, ça, il voulait pas dire ça. Fallait lire entre les lignes. Fallait lire entre les lignes. Non, on devient non, automatiquement des décodeurs de ping, quoi. Non, il disait que non, j'irai jusqu'au bout, c'est pas ce que ça voulait dire. Que j'ai un plan, mais c'est pas ce que ça voulait dire. Que non, allez-vous, je m'occupe du reste. Aujourd'hui, dans toutes ces phrases, il les a remis en question. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui va dire, qui va libérer le Gabon. Sankara a assumé, hein. Il avait dit à son peuple burkinabé que la patrie ou la mort, et il est mort. Il pouvait négocier avec Blaise, hein. Que pardon Blaise, ne me tue pas, machin, ou bien Blaise. Il a affronté la mort. Parce qu'il avait dit, hein, que c'est la patrie ou la mort. Sankara était un élu. C'était un ouin. Il était ouin. Il a accompli ses propres paroles. Il allait jusqu'au bout de sa logique. Mais au Gabon, c'est pas avec le PDG et ses réfugiés, ses transfuges, qu'on aura ce genre de choses chez nous. Et je ne souhaite à moi de personne. Dans un combat, tu peux ne pas mourir, tu peux vivre. Mais on veut des gens qui s'alignent avec leur idéaux et qui ne sont pas en train de blaguer avec le peuple et qui peuvent le faire. Mais les handicapés qui veulent courir, les pauvres, ils se font mal. Ils se font mal, ils sont sur chaise roulante. Et ils disent qu'ils sont opposants, ils sont sur chaise roulante. Leurs activistes font des efforts surhumains pour les embellir. Les activistes Photoshop. Le mec, il est vilain, tu veux faire qu'il est, il est bien beau. Tu es en train de vouloir l'embellir, oh. Machin, tu cherches même quoi dire sur lui pour que les Gabonais aient confiance qu'il peut. Il peut pas. Le temps a prouvé qu'il peut pas. Il peut pas, oh. Lui et son fils spirituel, ils peuvent pas. Ils vous perdent le temps. Il est grand temps que Chambrier reparte au PDG. Laissez Arthur venir prendre son épée. C'est tout. Laissez-lui. Laissez Arthur venir prendre son épée, oh. Ou bien, laissez David venir prendre son onction. Ou Davidette. Ça peut être une femme, hein. Attention. L'élu de Dieu, comment peut être une femme? Laissez les gens qui sont nés pour libérer leur pays prendre leur place. Arrêtez votre sabotage, votre mauvais cœur. Retirez-vous, mettez-vous à côté. Ou repartez chez Yali. Repartez chez Yali. Vous comprenez, hein? Si vous aimez le Gabon, hein, reprenez votre place d'observateur ou d'émergent. Arrêtez d'usurper les souliers qui ne nous appartiennent pas. Même les Blancs savent que c'est comme ça. Vous vous rappelez l'histoire de Cendrillon, non? Cendrillon, c'était une go, elle avait vu une fée. La fée a dit, bon, écoute, façon, écoute, voilà, il faut que tu ailles prendre les chaussures. Voilà, non, maintenant, elle est partie à la fête avec le roi. Elle a fait des bisous, et puis là-bas, elle a payé les chaussures. Maintenant, Cendrillon, le roi ne savait pas que non, à quel niveau et tout, la chaussure, c'est pour qui. Là, elle a dit, bon, amenez-moi toutes les go ici, là. Et la go que son pire dans la chaussure, sans confiance, là, la babouche, là, c'est elle que je vais épouser. Donc, maintenant, elle est partie prendre toutes les femmes. Mais comme Cendrillon, c'était une ménagère, elle vivait au PK8, là-bas dans les Mapan lointains là-bas. Les gens ont fouillé partout, ils sont allés à la sablière, mets la chaussure, oh non. Ils sont allés au charbonnage, mets la chaussure, oh non. Ils sont allés à Ovendo, à Kanda, mettre la chaussure, oh non. Maintenant, je dis, mais merde alors, mais y a pas une go là, machin. Les gens disent, mais si, il y a les go là-bas au PK8, machin, mais ça, c'est pas la peine, ce sont les pauvres gens. Mais il dit, mais merde, amenez-la ici, amenez la go du PK8 là-bas, qu'il y a quelle qui reste. Et quand Sandrine a mis, elle a mis le pied dans la babouche comme ça, sans confiance, c'est rentré comme du beurre dans du pain. C'est rentré, pfiou, hein, c'est bien rentré, bien profond. Taille, sur mesure. Elle a dit, donc c'est elle. Ou bien, ce que je vous dis, ils font de l'ombre pour rien à ces Gabonais qui, par manque de moyens, dans un pays où l'argent est le facteur le plus déterminant, ne peuvent pas briller, ne peuvent pas être aux avant des choses parce que on les étouffe par leur pauvreté et c'est les gens comme Chambrier qui viennent être devant. Et qui ne peuvent même pas amener le peuple à la guerre, amener le peuple à la victoire. Papa, Barreau, repart au PDG. Pardon, repartez au PDG. La vérité, oh, arrête. Tu nous perds le temps. Tu nous perds le temps, papa. Ton pied ne rentre pas dans la chaussure. Ça ne rentre pas dedans. Tu
tu essaies de forcer, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Tu es un comédien. Tu fais la comédie comme les choses de Ping. Arrête. C'est pas ce que tu es. Tu n'es pas un opposant, Joe. Tu n'es pas un opposant. Tu n'es pas un opposant. Pourquoi tu veux forcer? Laisse. C'est comme quelqu'un qui est noir et puis il met le Kwanza. Après, tu as le visage qui est clair, jaune, et les mains sont noires. On dit, mais merde. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est les produits, les crèmes. Arrête. On a déjà eu Ping, c'est bon. Hein? C'est bon. On a compris que c'est vous ne pouvez pas. Laissez tomber. Papa, arrête ça. Hein? Libère-nous la ligne, Joe. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Libère-nous la ligne. Hein? Oh. Libère-nous la ligne. Une soeur gabonaise qui a une voix comme le miel, elle va chanter une chanson pour chambouiller. Je dis, mais merde, on est où là? La chanson becquée. Bah ouais, j'ai dit, mais attends, les gamins deviennent fous, quoi. Tu as vu? Ça c'est l'argent. Non, Frangin, arrête. Va t'asseoir ou repars au PDG. Ah, cet acte. Laisse le combat là tranquille. Pardon. Tu ne peux pas. C'est bon. Ah, mais on n'a pas pu. Ping n'a pas pu. Tu ne pourras pas. Toi, c'est même grave. Toi, tu es né avec la grenouillère du PDG. Tu es né, ton papa était déjà au PDG. Donc, ils t'ont porté les habits du PDG depuis que tu es bébé. Ils t'ont mis les habits de Omar Bongo sous toi depuis que tu es dans le berceau. Joe. Tu n'es pas comme Amo qui est venu au PDG à 25 ans ou Jean Ping à 30 ans. Toi, tu es né dans le PDG. Tu es un bébé du PDG. Papa, tu veux faire quoi aux gens là? Tu veux faire quoi aux gens? Ils t'ont mis les couches du parti unique, Joe. Pendant les réunions, ton papa t'a amené là-bas. Pendant les réunions, tu pleurais dans la salle avec Omar Bongo. Et là, on dit, mais qui pleure là-bas? Oh, c'est le fils de Randy qui pleure. Oh, mon petit, bisous. Tu as grandi là-bas. Papa, tu veux faire quoi aux gens? Tu veux nous faire quoi, hein? Tu es quel opposant? Papa, arrête. Papa, tu veux faire quoi aux gens? Tu veux nous faire quoi, là? Arrête. Repars là-bas. Faut arrêter ça. Arrête. Stop ça. Oublie 2023. Oublie les élections avec Ali Bongo. C'est bon. Arrête. Ou bien si tu veux, va en stage. Va faire 30 ans dans le désert. Après, tu reviens. Hein? Mais les conneries que dans 2 ans, opposant là. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Arrête. Stop. Faut laisser. Faut laisser ça. Laisse ça. Oh. Laisse l'affaire là. Laisse le truc là tranquille. À moins que toi, tu veux devenir aussi président élu. Ça te gratte? Hein? Tu veux devenir président élu comme Baba mais plus Ping? Tu c'est ce que tu veux? Tu veux aussi être président élu au Gabon? Hein? Toi, si tu veux aussi le goût là, que non, président élu, bah, aujourd'hui, ce que tu veux, surtout, comment? Hein? Arrête. Arrête là, arrête tes oui. Simple conseil, hein. Conseil de frangin. Arrête tes trucs. Arrête. Et que les Gabonais qui t'encouragent, arrête ça déjà. On vous voit venir, on ne veut pas de ça. Que ce soit toi ou n'importe quel autre pédégiste convaincu, héritier moderne, on ne veut pas de vous. Vous ne pouvez pas guider notre peuple. Vous guidez mal notre peuple. Regarde comment tu amènes mon peuple aux élections. Tu veux être le berger et tu induis les gens en erreur. Papa, tu ne peux pas. Laisse l'affaire là. Ping a amené les Gabonais en 2016 aux élections. Toi, tu es venu pour amener les Gabonais en 2018 aux élections. Que des mauvais bergers des élections. C'est pas bon, papa. Faut laisser l'affaire là tranquille. Tu vois le oui, non? Ou bien? Donc, sans rancune, hein. On est ensemble. On est tous Gabonais. Moi, je t'aime. Tu m'en frangin. Hein? Tu es notre, y a rien, là. Tu vois un peu, non? Hormis la politique du Gabon, là. On est ensemble. Y a rien. Ou bien? Y a rien. Pas de rancune. Pas de haine. Pas de, on est une famille. Hein? Mais là, la famille, là. Chacun sa place. Pour le Gabon, là. Laisse tomber. Ok? Arrête. Stop ça. Ok? D'accord. Ok, Gabonais, Gabonaises. On est ensemble. Hein? Ciao, à tout à l'heure.